Bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture tarot flash pour tous les signes zodiaques, une lecture qui se concentrera seulement que sur l'amour, d'accord? So, merci de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance sur mon site de réservation. Pour le faire, c'est très simple. Cliquez seulement sur le lien qui est juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre guidance. N'oubliez pas de me laisser tout plein de commentaires. Surtout, cliquez sur j'aime. Je vous demande pardon. Cliquez sur j'aime. Supportez mon channel. Laissez-moi plein de commentaires. Que ce soit des fleurs, des cœurs, des diamants, des couronnes. You know, laissez-moi des commentaires. OK? Pour ceux qui ont par contre des insultes envers ma personne, des commentaires négatifs, je vous demanderai de ne pas commenter parce que votre commentaire sera bloqué, inclus le compte du commentateur de ma chaîne YouTube. Ok? Alors, on va commencer. Voyons voir ce qui se passe ici avec vous. Hi, angels, please give me a reading for my zodiac signs. Please, can I please have a tarot flash reading? Thank you. Have a tarot flash reading. Thank you so much. Okay. Ooh, okay. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable qu'on a ici quelqu'un qui a envie de prendre une chance avec vous. On a ici quelqu'un qui a envie d'essayer de se mettre ici en couple avec vous. D'accord? C'est ici quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui vous observe depuis déjà un certain temps. Pour une autre partie d'entre vous, on a même ici des anges qui me disent que il est probable que vous, c'est la première fois que quelqu'un sort avec une personne comme vous, ça dépend. Peut-être que c'est ici une relation où vous et votre partenaire, vous êtes d'une différente origine, nationalité, culture ou encore religion. D'accord? Si vous êtes ici donc chrétien, c'est peut-être la première fois que quelqu'un sort avec une personne chrétienne. C'est peut-être aussi la première fois que quelqu'un sort avec quelqu'un qui est musulman, d'accord? Pour d'autres, peut-être aussi que vous êtes spirituel, peut-être que vous lisez les tarots, peut-être que vous êtes marabout, vous faites des trucs, you know? Et on a ici quelqu'un, c'est sa première fois de venir vers vous pour dire que, oh non, je veux sortir avec toi. Pour d'autres, peut-être aussi que vous faites le vaudou, ça non, rien. Peut-être que vous faites le vaudou, pour d'autres, peut-être que vous êtes dans la Croix-Rouge, toutes les religions là, on va mettre ça dans la sauce. Et on a ici quelqu'un du genre qui, dans le départ, avait peur de se mettre avec vous, mais qui est intéressé maintenant d'être avec vous parce qu'il se dit que, oh, c'est différent, oh, elle est différente, oh, j'ai envie d'apprendre à te connaître, d'accord? Pour d'autres, c'est autre chose. Peut-être que vous êtes ici noir et on a ici quelqu'un qui est blanc, qui veut sortir avec vous. C'est peut-être votre première fois de sortir avec une personne blanche. Ou encore, c'est ici une personne blanche, c'est sa première fois de sortir avec une personne noire. Vous voyez? Donc, on a ici quelqu'un qui commence à considérer la possibilité de se mettre ici en couple avec vous. On a ici quelqu'un qui commence à considérer, à vous considérer comme une option, ok? C'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré à Vegas. Pour d'autres, c'est peut-être ici quelqu'un que vous avez rencontré dans un casino. Ou encore, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aller au casino. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup dépenser. On a ici quelqu'un qui est très dépensier, something like that. Donc, on a ici quelqu'un qui veut sauter dans l'eau. Laisse-moi sauter dans l'eau, même si je ne sais pas nager. Mais on va voir un peu où ça s'en va. Parce que dans un certain sens, tu commences à me plaire. D'accord? Donc, on a ici quelqu'un qui commence à s'intéresser à vous. Vous commencez à devenir son genre. Ou encore, il est plutôt, ou il ou elle est plutôt étonné de commencer à s'intéresser à une personne comme vous. D'accord? Yep. Puis, c'est un partisan, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est un admirateur secret.
Ou encore quelqu'un qui a toujours eu le béguin pour vous, ou encore c'est maintenant que vous savez que quelqu'un a toujours eu le béguin pour vous. Pour une autre partie d'entre vous, les anges ici me disent par contre qu'on a ici quelqu'un qui est en train de tomber amoureux de vous chaque jour qui passe. C'est peut-être ici quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous espionne sur les réseaux sociaux. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a des possibilités que cette personne-là ne vous parle pas pour l'instant, ou encore ne s'est pas encore réellement approché de vous. On a ici les anges qui disent que ce n'est qu'une période de jours. D'ici quelques jours, on a quelqu'un qui va commencer à vous écrire, commencer à vous parler, d'accord? Donc, il y a de fortes possibilités que vous rencontriez quelqu'un pendant, lors de l'une de vos balades, par exemple. Now, pour une autre partie d'entre vous aussi, vous avez un béguin pour une personne et que vous commencez maintenant à tomber amoureux d'une personne et vous voulez venir dans la vie de cette personne, on a ici les anges qui me disent que cette personne-là apparemment a peut-être beaucoup de prétendants, beaucoup de prétendantes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent sortir avec cette personne. Pour certains, c'est ce qui est dans votre tête, c'est ce que vous croyez. Il est donc probable que votre partenaire est très beau, votre partenaire est très belle, votre partenaire est à... comment ça s'appelle? Votre partenaire attire plein de personnes. Votre partenaire attire l'attention, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous avez peur ici de vous mettre dans une relation avec cette personne parce que vous avez peur de la compétition. Peut-être que vous êtes quelqu'un de timide, vous n'êtes pas quelqu'un de très dominant dans les relations, d'accord? Et vous n'avez pas envie à avoir à faire de la compétition pour pouvoir maintenant séduire votre partenaire ou encore pour pouvoir être avec votre partenaire. Vous avez peur que d'autres hommes viennent vous arracher cette femme. Vous avez peur de sortir avec cette personne et puis du jour au lendemain, maintenant, il y a un autre homme qui l'intéresse. Puis une autre partie d'entre vous, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous êtes quelqu'un d'affluent, si par exemple, vous êtes riche ou encore vous avez, en tout cas, tout roule bien pour vous, il est probable que vous avez ici peur de sortir avec cette personne et de la présenter à vos amis. Parce que vous savez que vos amis vont sauter sur elle. Vos amis vont passer derrière votre dos pour vouloir sortir avec votre copine. Et ça, là, vous ne voulez pas. OK? So, on est donc ici dans une situation où on a quelqu'un qui est plutôt hésitant à faire un pas vers son partenaire. Parce qu'on a ici quelqu'un qui se pose des questions sur la loyauté d'une personne. Qui se pose des questions sur, le déroulement d'une situation. Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux prendre le taureau par les cornes, te dire que je veux être avec toi et pouvoir te faire confiance? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut voyager avec vous, d'accord? So, vous pouvez aussi ici avoir affaire à une situation où on a quelqu'un peut-être qui est à distance de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il y a de très fortes possibilités que votre partenaire voyage beaucoup ou encore c'est vous qui préparez ici un voyage. On a ici les anges qui disent que votre partenaire va être tellement accro à vous. Il va être tellement accro à vous, tellement obsédé de vous que il ne va pas vouloir vous laisser seul. À chaque fois qu'il voyage, il va vouloir que vous soyez avec lui. À chaque fois qu'il part quelque part, il va vouloir que vous soyez avec lui. D'accord? Si vous-même vous devez voyager et tout, on a votre partenaire qui va vouloir que vous soyez aussi avec lui. D'accord? Je vois ici quelqu'un qui est très obsédé de vous, très intéressé à vous, qui a des papillons dans le ventre quand il vous voit. Vous pouvez ici avoir affaire à un scorpion. C'est les scorpions qui sont comme ça. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est les scorpions là qui sont comme ça, obsédés comme ça. Les scorpions et puis les lions. On vous connaît. Bref. On est donc ici dans une situation où, pour une certaine partie d'entre vous, vous commencez donc à, réaliser qu'une personne a des émotions pour vous. Pour certains, il est même probable que vous ne savez même pas que quelqu'un s'intéresse à vous. Vous n'en avez absolument aucune idée, d'accord? Et c'est lorsque cette personne-là va finalement se jeter à l'eau pour venir vers vous que vous saurez qu'en fait, les émotions que vous aviez pour une personne étaient des émotions réciproques, que quelqu'un vous a toujours aimé, que quelqu'un veut être avec vous et que quelqu'un va être avec vous. OK? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est même probable que vous et cette personne, pour l'instant, vous n'êtes que des amis. Ou encore, quand on vous demande, cette personne-là, c'est qui pour toi? Oh non, c'est juste une amie. Oh, c'est juste une connaissance. Oh, c'est quelqu'un que j'ai croisé par hasard. C'est quelqu'un que tu as croisé par hasard. C'est quelqu'un que tu as croisé par hasard. Tu l'as croisé par hasard. Oh non, laissez, c'est pas grave. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est médecin. Pour une certaine partie d'entre vous. OK? Mais on a ici quelqu'un qui dit, non, c'est quelqu'un que j'ai croisé par hasard. C'est juste un ami. C'est juste quelqu'un avec qui, voilà, bon, je cause de temps en temps.
N'importe quoi. On a ici quelqu'un qui est complètement amoureux, éperdument amoureux, obsédé d'une personne. Ok? On a ici quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux. Ça ne finit pas. Pour une autre partie d'envie, il est même probable que les amis d'une personne essayent de le taquiner avec vous et tout. Et ça l'énerve. Arrêtez de me taquiner, arrêtez de me taquiner, arrêtez de prendre son nom pour me taquiner. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais plus on le taquine avec votre nom, plus il tombe amoureux de vous. Plus il a l'impression que c'est vous qui êtes censé être sa copine. Ah oui. C'est comme ça que ça se passe. C'est de ça qu'il s'agit, d'après mon ami Lexé. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Ce système partisan de vous, il y a donc ici une très forte attirance entre deux amis. D'accord? On a ici une amitié qui va se transformer en relation amoureuse. Il est important pour vous de prendre votre temps parce que je vois ici une relation qui va être une relation de très longue durée. Pourquoi? Parce que vous allez commencer par l'amitié et tout doucement, vous allez transformer cela en amour. Vous n'allez pas être pressé. On a ici quelqu'un qui veut de vous, quelqu'un qui veut être avec vous. Pour cette partie d'entre vous, c'est peut-être même ici quelqu'un pour qui il y a en tout cas une très forte attirance magnétique, des synchronisations à perpétuité que vous recevez à chaque fois, des messages, que ce soit dans vos rêves, etc. C'est ici une personne avec qui vous auriez pu avoir une connexion, vous vous êtes séparés, maintenant vous vous retrouvez, maintenant vous êtes prêts à être ensemble. On a quelqu'un qui ne veut pas perdre ici l'opportunité de pouvoir être avec vous. I just clarify secret crush. Pour certains, faites attention. On a ici quelqu'un qui est très jaloux, qui a toujours été une personne très très jalouse. Et il est probable que quelqu'un risque d'être jaloux de vos amis, quelqu'un risque d'être jaloux des membres de vos familles, de vos amis. On a ici quelqu'un qui risque d'être jaloux en tout cas. C'est-à-dire que si vous vivez votre vie, parce que pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais il est probable que vous êtes le genre de personne, même si vous êtes en couple, vous ne vous accrochez pas à votre partenaire. Même si vous êtes en couple, vous gardez quand même un certain niveau d'indépendance parce que vous ne voulez pas dépendre d'un partenaire. Et on a ici les anges qui disent que votre partenaire va commencer à devenir complètement jaloux du genre, c'est qui celui-là? C'est qui celle-là? C'est qui cet ami-là? Je ne la connais pas. On a même ici quelqu'un qui va vouloir commencer à contrôler vos fréquentations. Je ne veux pas que tu manges avec celui-là. Je ne veux pas que tu parles avec celui-là. Change ton numéro de téléphone. Je ne veux plus que les gens t'appellent. Arrête de faire ton business de tarot. Les amis! Arrête de faire ton business de tarot. Ah bon, les amis. Au revoir. On ne veut plus les tarots ici. Là. On va laisser les tarots maintenant. On va déposer ça là-bas. C'était moi, la tarot reading. On se retrouve dans une autre vie. Juste pour rigoler. Ok, so, on a ici quelqu'un qui va donc essayer, dans un certain sens, de vous contrôler, you know. Et c'est parce que cette personne-là sera très jaloux, très jalouse au fait de... comment ça s'appelle? De vous, de votre vie, de je sais pas, même si vous n'avez rien, tout ce que vous savez faire, c'est aller manger des pizzas avec des amis, aller vous amuser avec vos amis. On a ici quelqu'un qui est juste jaloux, il veut que vous soyez tout le temps à côté de lui, tout le temps à côté de lui, respirer dans ses narines. Respirer dans ses narines. Ah, c'est quelque chose que moi je ne peux pas faire. Ok? I just was gonna find secret crush. I just was gonna find secret crush, please. Oui, c'est maintenant que je vois ici quelque chose qui est en rapport avec une fête. On a ici quelqu'un, je ne sais pas, il y a une fête qui se prépare dans la famille d'une personne. Il y a des célébrations qui se préparent. Je vois ici quelqu'un qui veut vous inviter à le rejoindre. Mais c'est un peu comme si vous allez le rejoindre, vous allez être autour des membres de sa famille. Problème. Parce que moi, par exemple, famille des gens me donne l'anxiété. Quand je suis au bord de la table, famille des gens, ça me donne l'anxiété. Je suis le genre de copine, je n'ai vraiment jamais envie de rencontrer tes parents. Je suis le contraire de la gente féminine normale. You know, la majorité de mes clientes sont toujours là. Il m'a pas encore présenté à ses parents. J'ai jamais vu sa famille. J'ai jamais vu. En tout cas, moi, je ne suis jamais pressée de rencontrer tes parents. Si on pouvait même rester comme ça et je ne les rencontre jamais, ça va me plaire parce que j'ai l'anxiété. Pas me poser la tête et je vais leur dire quoi?
Je vais leur dire quoi? Oh, ma fille, bienvenue. Ah, j'espère que tu vas nous faire beaucoup d'enfants. Oh, y a pas enfant net. Ma plus grande peur, c'est les bébés. Ah, ça. Je suis vraiment le contraire de toute la gente féminine que vous rencontrez dehors. Oh, ça va, ma chérie. Ah, machin. On est heureux que tu sois avec notre fils. J'espère que tu vas bien t'occuper de lui. Lui aussi, le voilà là-bas, en train de se rire. Moi, je suis là. En train de chercher la porte de sortie. Moi, je suis jamais pressée de rencontrer les parents des gens. Ok, mais on a ici votre partenaire. Il veut. Oh non. Toi, je vais vous montrer même. Parce que quand je parle comme ça veut dire que. Oh là là. Vos histoires rocambolesques dignes d'un film de ce nom. Assieds votre partenaire là-bas. Je veux te présenter à ma famille. Il y a une fête qui se prépare. Je veux que tu sois présente. Je veux vraiment t'intégrer. Je veux que tu sois meilleure amie avec ma mère. Les belles-mères. Toi aussi, tout de suite, on vient de se rencontrer là. Ça ne fait que 2 semaines qu'on est dans l'amour. Ça ne fait que 2 semaines qu'on est dans l'amour. Tu veux déjà présenter les gens à ta famille. Si tu m'appelles, mon téléphone est fermé, je ne suis pas là. Oh oui, ça me dit, on va aller voir. Oh, rappelle-moi ce soir, tu vas bien me raconter ça. J'ai pas bien entendu, je suis occupée, tu me rappelles. Le soir, tu me rappelles, mon téléphone est coupé. Il dit donner crise cardiaque aux gens. Bref. Ok? Sauf que c'était parti, on a ici quelqu'un qui est complètement amoureux de vous, obsédé. I'm telling you, ça c'est un scorpion, je sais de quoi je parle. Pour certains, c'est peut-être même le retour d'un ex. C'est aujourd'hui qu'il sait qu'il est prêt à réconcilier une situation. Pour d'autres, si ce n'est pas un ex, ici un ex-ami. Un ancien ami, un ami avec qui vous avez perdu contact, mais il y avait un peu de béguin entre vous deux. C'est maintenant qu'il est prêt à recommencer une situation. On a ici le nom de quelqu'un qui commence par S, le nom de quelqu'un qui commence par B. On a aussi le nom de quelqu'un qui commence par W. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous venez finalement de rencontrer l'homme de votre vie, votre mari. Parce que cet homme-là, c'est lui qui doit vous épouser, c'est lui qui va vous épouser, c'est lui qui va faire sortir la bague. Hein? Moi, je veux une belle bague. Les belles bagues, les diamants de combien de carats là? Anyway, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la lecture, les amis. N'oubliez pas de rentrer en contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance privée, d'une lecture de tarot privée concernant votre situation. Le lien est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo. Toutes les réservations de tarot avec moi se font sur mon site de réservation. D'accord? J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas de me laisser des commentaires. S'il vous plaît, cliquez sur j'aime. Laissez-moi beaucoup de commentaires. Commentez plusieurs fois même si vous voulez même. Commentez! Bisous les amis, bye bye.